Je suis avec Michael. Michael, man. Bienvenue. Si. Deuxième place. Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Je suis très satisfait. Et je vais essayer de suivre son rythme en cuisine. Aujourd'hui, on prépare un club sandwich. Je peux pas voir qu'est-ce qu'il fait. Je vais seulement suivre ses instructions. Et je vais essayer d'être aussi clair pour qu'elle puisse me suivre. On laisse faire. Super. Prête? Non. Oui, let's go. Ça devant nous, on a toutes des ingrédients. On va toutes les préparer étape par étape pour pouvoir construire un club sandwich. On va commencer avec l'avocat. On va juste le couper en deux. Utiliser seulement la moitié aujourd'hui. Quel couteau tu utilises? Le couteau de chef. Ah! Ça. En deux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Continuons la vidéo. Hop là. On va le peler. Ouais. Une fois que c'est pelé, on va faire des fines tranches. Comme ça. T'es en train de couper en fines tranches, c'est ça? Exactement. Ouais, moi aussi. L'avocat, on va le garder d'un côté. Tu suis toujours? Non. On a la tomate. On va faire des fines tranches dans la tomate aussi. Tu vas pouvoir enlever le petit centre, le petit cœur. Parfait. On va se faire des fines tranches. Fines tranches. Derrière la tomate, on va voir la salade. Bite size, comme ça rentre dans le sandwich comme il faut. Faire ça beau, propre. Et nous, aujourd'hui, on va se faire une belle mayo. Mayo fait maison. Attends, tu fais ta mayo maison? Mais oui, mais oui. C'est tellement facile à faire. Très simple, on prend un ou deux jaunes d'œufs, du sel, un peu de moutarde, citron, un acide. On met de l'huile, on fouette, et voilà. Ok, tu sais, je veux tellement bien trancher mes avocats que moi, je vais y aller avec Hellman. Ah, t'es rendu où? Tu sais, je perfectionne les avocats. Ouais. Les tomates sont rendues où? Ah, sont faits, sont coupées. Je suis sûr que Chef Patrick va être très fier de toi. Une fois le mayo est fait, on va prendre nos œufs, puis on va les trancher en tranches aussi. Ça va avec la mayonnaise. Une fois que les œufs sont coupés, on va faire des tranches de poulet aussi. On va le couper un peu en diagonale. On va assaisonner un peu le poulet. On va mettre un peu de zeste de citron. Donc, zester un citron, tu fais juste râper le citron. Tu fais juste râper le citron dessus le poulet. Derrière ça, on va avoir notre fromage. Aujourd'hui, j'utilise le Riviera Cheddar. Délicieux fromage. Moi, je vais aller avec des tranches déjà tranchées. Cracker Barrel. Et après, voilà, on est prêt à monter le sandwich. Hein. Tout est préparé déjà. On a trois tranches de pain. C'est coupé? Ouais. Tu vas bien. Est-ce que je tiens? Un petit peu. Je reviens. Oh my god. Mais tu sais, ça arrive tout le temps, chef, hein, que les gens se coupent. Ah. Voir que je me suis blessée en essayant d'ouvrir le fromage. C'est même pas en coupant les ingrédients. Ça arrive, ça arrive. Même les pros se coupent. Il est même pas ouvert en plus. Ok, maintenant je suis prête pour le montage. On a les trois tranches de pain. Le beurre, on va le mettre au plein centre. Les deux autres tranches, on va mettre la mayonnaise. Le poulet va aller en bas. Tout sur la même tranche. Tout sur la même tranche. On va mettre notre jambon, le bacon. On va fermer la première partie, nos œufs. On va mettre quelques tranches de tomates. Je prends la microplane aussi. La quoi? La microplane. C'est quoi une microplane? C'est la râpe. Ah, oh, yeah! Moi, après ça, faire des tranches, je vais râper mon fromage dessus, sur les tomates. Puis on va finir avec nos tranches de salade. Est-ce que je peux avoir la microplane? Bien sûr. Après, on finit avec la dernière tranche de pain. Et on va venir les piquer pour couper en triangle, c'est-à-dire un en haut, un en bas, et sur les deux côtés. Piquer qui aime les croûtes, pas moi. On va venir trancher tous les côtés. Tout pour. Carré. Tout doucement. C'est des larmes de joie. Ah oh oui, c'est ça. Une fois que le sandwich il est dressé, on va le mettre sur notre assiette. Club sandwich fini, facile. Tout le monde peut faire ça à la maison. Voilà. Mais moi, j'aime appeler ça l'explosion sandwich, en fait. Explosion du club. Tu veux voir mon sandwich? Oui, on y va. Ah, wow! Délicieux! Ah ouais, les pics au plein centre. Je suis pas sûre, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, les pics au milieu. Pendant que je le faisais, je savais que c'était pas bien. Je savais pas quoi faire. 9 sur 10 pour mon sandwich. Un beau 6. Si t'avais pas les pics, t'aurais eu un 7. T'es
T'es tellement menteur, mais merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit. Pas le souper. Un peu dur dans la bouche, mais ça va. Le goût, il est là. Tu pourrais prendre ma job.